pouvez comprendre notre technologie, en fait, c'est une espèce de GPS de chez Renault. D'accord ? Donc, en fait, pour vous remettre dans quelque chose auquel vous êtes habitué, en fait, ici, vous avez l'écran de votre GPS, d'accord ? Et puis là, en lieu et place de la carte de Montpellier, là, ce que vous avez, une carte du malade. En l'occurrence, c'est d'image IRM, d'image scanner, en l'occurrence. Mais ça pourrait être des images IRM, ça pourrait être des images de différentes natures, y compris des images radiologiques. Et puis, là, on a le patient. Et donc, en fait, la première étape, elle va consister à faire ce qu'on appelle la correspondance entre ce que l'on voit sur les images et le patient. C'est typiquement ce qui se passe lorsque vous êtes avec votre GPS. Vous êtes dans un parking, et puis vous êtes GPS qui ne sait pas où est-ce qu'il est. Puis dès que vous sortez du parking, tac, on trouve les satellites et on fait la correspondance entre l'image et puis la réalité du terrain. Donc c'est ça, effectivement, la visio-correspondance. Après, l'étape suivante, en fait, qu'est-ce que fait le robot, tout simplement? Le robot est là pour pouvoir guider la main du chirurgien. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien va pouvoir planifier, définir très précisément ce que il ou elle souhaite faire en termes de zone à atteindre, par exemple, pour insérer une aiguille à biopsier, pour insérer une électrode. Donc, ROSA, en fait, c'est un GPS pour chirurgien. Comme on l'a annoncé le dernier trimestre, on a vendu 10 robots, comme ceci, dont 7 aux États-Unis, 2 en Chine, pardon, et une en France. Ça représente d'ailleurs assez bien notre chiffre d'affaires, puisque je dirais que les 3/4 de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Après, une partie importante, on a un grandissant en Asie, et puis après, c'est l'Europe. La Chine des codes, c'est un marché qui est extrêmement important. Comme souvent, le plus difficile, c'était de rentrer dans ce marché chinois, arriver effectivement à avoir des références, des premiers hôpitaux.